c'est tout. Bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée Bami Power TV et je suis votre host Merlin Noni ou encore Merlin Noni. Merlin Noni. Déjà, pour tous ceux qui sont nouveaux à cette chaîne, déjà, je tiens à vous remercier de nous avoir rejoints. Notre challenge en ce moment est celui d'atteindre les 1000 abonnés d'ici janvier 2020. Et nous avons une campagne qui est en train de courir en ce moment même et qui va vous permettre de gagner beaucoup de lots. Nous avons beaucoup de cadeaux pour les enfants, des cadeaux pour les adultes, pour les femmes et aussi pour les hommes. Donc, certains parmi vous seront sélectionnés d'ici la fin de l'année, d'ici Noël. Et beaucoup de jeux seront disponibles pour vous. Et je me chargerai personnellement de vous les envoyer si vous vivez soit en France, Belgique, Cameroun, Canada ou États-Unis. Donc aujourd'hui, le sujet de notre show est nous avons deux Camerounais particulièrement qui se sont distingués la semaine dernière et d'une manière vraiment très. L'un de ces Camerounais-là s'est distingué d'une manière un peu pas très, tu vois, bonne. Mais l'autre s'est distingué vraiment d'une manière excellentissime. Et ça se dit vraiment en français. Excellentissime. J'ai créé déjà mes mots en français moi-même. Donc le premier, c'est Joel Embiid. Joel Embiid qui est cet avant-centre des 76ers ici aux États-Unis, qui est l'équipe phare de la ville de Philadelphie. Yeah, Philadelphia! Qui est en fait la ville dans laquelle je réside en ce moment. Donc je dois ici rappeler que je suis un fan de Joel Embiid parce que du moment où je fais ceci, je me transforme directement en Joel Embiid fan, 76ers. Go Philly! Et comme vous le voyez très bien là derrière, c'est Joel Embiid. Donc ça c'est déjà pour me rappeler que je n'ai rien contre Joel. C'est lui, c'est l'une des, je dirais, français là vraiment est difficile. Hein? C'est l'une des figures du basketball ici dans cette ville. Donc chaque fois que je suis dehors et qu'on me demande de quel pays viens-tu, il dit je suis Camerounais. La première réaction c'est toujours oh like Joel Embiid. Subitement je commence aussi à me vanter. Yeah Joel Embiid from Cameroon. Yeah Joel Embiid. Pourtant le gars je ne l'ai jamais rencontré. Donc si parmi vous il y a certains d'entre vous qui sont peut-être les frères, les cousins, les amis de Joel Embiid, je vous en prie, envoyez-lui cette vidéo et dites-lui que je veux le rencontrer. Je veux le rencontrer peut-être pour l'interviewer, pour échanger un peu avec lui, parce que je suis sûr que je connais déjà où Joel Embiid vit. Il vit au Tennessee, là-bas à Philadelphie. Je connais où il vit, je connais le bâtiment dans lequel il vit. Mais pour l'accéder, c'est pas très facile. Donc, revenons à notre vidéo. Ok, nous sommes de retour maintenant sur notre vidéo. Et comme je le disais tantôt, le sujet de ce show-ci sera consacré à deux Camerounais. Le premier, c'est Joel Embiid. Et le deuxième, c'est Jaurès Dia. Jaurès Dia qui est ce jeune MMA fighter qui a vraiment détruit, j'ai dit complètement détruit ce Russe en 30 secondes. J'ai dit 30 secondes de bagarre, il a complètement détruit dans le ring, ok? Donc nous allons parler de ces deux figures-là. Le premier, Joel Embiid, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, il a eu ce match, je crois c'était mardi, entre les 76ers de Philadelphia et le Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves, ça c'est l'équipe dans laquelle évolue le Dominicain américain Carl Anthony. Ok, Carl Anthony. Donc ce qui s'est passé, c'est que le match, pendant qu'il faisait tout ça, un des joueurs des 76ers est entré dans la bagarre et lui, les gars, le gars vient plutôt, il prend le côté de son ami, de son coéquipier et il l'aide à appuyer le coup de l'adversaire. Ce qui est très drôle. Je crois d'ailleurs qu'il a été sanctionné. Donc, sur les terrains, ils ont donc amené cela en dehors des terrains. Et c'est ça vraiment qui a un peu dérangé la NBA. Parce que s'il s'était arrêté juste au terrain, on comprend. Il y a les émotions, une fois de plus, quand vous jouez. Il y a des mouvements d'humeur. Mais une fois qu'ils l'ont amené en dehors des terrains, c'est là que la NBA s'est forcée de les sanctionner. De leur donner en fait une sanction un peu plus lourde que ce qu'ils auraient eu au départ. Okay? Et comme vous le voyez bien ici, la NBA donc, a décidé de les sanctionner deux matchs. Pourquoi? Parce qu'une fois après que le match s'est terminé, Joel Embiid et Karl Anthony se sont mis en sécurité, ils sont mis à commenter la photo de l'un et de l'autre. Joel est allé commenter sur la photo de Karl Anthony. Karl Anthony a effacé son commentaire.
Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à échanger. Si vous voyez bien sur cette vidéo, les photos que Carl Anthony a postées sur son compte Instagram où il essaie un peu de montrer. Vous voyez certaines photos où le gars montre comment Joel Embiid est en train de tomber. Sur la deuxième photo, il montre comment il arrête son cou. Sur la troisième photo, comment il serre le cou de Joel. Et sur la quatrième photo, il montre comment Joel est en train de pleurer. Ce qui vraiment n'a rien à voir avec ce même match-là. Parce que ça, c'était juste une interview qui s'était passée plusieurs matchs auparavant, qui n'avait rien à voir avec ce match. Donc, c'est juste une façon, vous voyez, de se cacher un peu, de se gamer, de lancer. Mais c'était juste un truc. Vous voyez, un peu passager. Et du côté de Joel aussi, il a pratiquement fait la même chose, mais il n'est pas allé aussi loin que Carl Anthony. Donc, ce que le gars a juste posté, c'est juste une photo de lui pour dire que, bon, moi, I was raised around lions and a cat pulled on me tonight. Qu'il a été élevé parmi les lions. Je pense bien qu'il fait référence aux lions indomptables de Cameroun, vous voyez un peu. Donc, il a été élevé parmi les lions et un chat a essayé de, pull on me tonight, essayer de le tirer un peu. Donc, ce qui n'était pas ce qu'il attendait. Donc, il montre un peu comment il a ce fighting spirit là. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec Joel cette année. Et le bottom line est que la NBA les a sanctionnés 2 matchs de suspension chacun. Ils ne pourront pas revenir sur le terrain jusqu'à peut-être 1 ou 2 semaines. 2 ou 3 semaines, je crois. Donc ça, c'est pour Joel Embiid et Carl Anthony. Non, la deuxième figure dont nous allons parler au courant de notre show aujourd'hui s'appelle Jaurès Dea. Qui est Jaurès Dea? Moi-même, j'ai eu de la peine à savoir qui est ce Jaurès Dea parce que c'est un Camerounais. D'après son profil sur le website de la MMA, il n'a même pas de photo, j'ai remarqué. Mais j'ai pu quand même trouver certaines informations sur Jaurès Dea. C'est un Camerounais qui s'entraîne plus précisément au Emirates Arabes Unis, je ne sais pas si c'est UAE, United Arab Emirates. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est là-bas qu'il s'entraîne vraiment. Peu connu du public. Donc, ce qu'il a vraiment révélé au public la semaine dernière, c'est ce combat. On appelle ça combat, pas bagarre. Bagarre, c'est au quartier. Combat, c'est plus professionnel. Ce combat donc qu'il a eu avec à la MMA, et ce qui a vraiment surpris beaucoup de personnes, c'est qu'en 30 secondes, il dit le gars a complètement détruit le Russe. Complètement atomisé. Voici un peu à quoi ressemble cette bagarre-là. La bagarre a commencé, comme vous le savez, chacun est toujours en train d'essayer un peu de cacher un peu son adversaire et tout. Commence justement à engager les coups de poing avec le gars. Mais le gars pense que ça va passer, c'est rien du tout. Le gars commence à blaguer, il pense que le Camerounais va le laisser partir. Mais quand le Camerounais a mis la main sur lui, l'a mis au sol, le gars ne savait pas qu'il était la fin pour Jaurès l'arrête, le maintien au sol, le gars essaie d'attraper son cou. C'est là que Jaurès l'arrête, mon ami. Pom, 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 pom. En 30 secondes, le gars était complètement atomisé. Ah, ce Camerounais, c'est vraiment très peu connu du public. Mais si vous voulez le trouver, il est disponible sur Instagram. Je vais afficher son compte Instagram ici pour que vous allez un peu sur ça. Lui, you know, show him some love. Souscris aussi à sa page Instagram. Je pense sur Instagram. Il s'appelle Jaurès Dea. Jaurès_Dea_the_crazy_Cameroon. Donc ça c'était pour Jaurès Dea, un Camerounais que je pense vraiment être très prometteur dans cette industrie de la MMA. Il a vraiment fait une entrée fracassante en dévastant, en détruisant ce Russie en 30 secondes chrono. C'est vraiment 30 secondes chrono, ce qui est exceptionnel dans cette industrie. Je pense que ce gars-ci va vraiment aller loin. C'est un gars sur qui nous devons garder l'œil parce qu'il est vraiment en train de
monté. L'enlèvement d'un gars qui a bossé dur, quelqu'un qui est venu de loin, quelqu'un qui s'est battu, qui a traversé des moments difficiles au Cameroun. Et il a vraiment beaucoup de chances de se faire une place au soleil dans cette industrie de la MMA. Donc c'était tout pour aujourd'hui, c'était tout pour le Bami Power Show aujourd'hui. Pour tous ceux, je tiens à rappeler, pour tous ceux qui sont nouveaux à notre page, je vous encourage déjà à souscrire, plus les conditions pour pouvoir participer et gagner certains de nos cadeaux est très simple. Premièrement, tu souscris à notre chaîne YouTube, deuxièmement, tu likes la vidéo, tu commentes et tu la partages, soit sur Facebook, WhatsApp, Instagram, n'importe où tu choisis de le faire. Et une fois que tu fais là, je vais traquer tous ceux qui sont en train de commenter, partager et faire tout cela. Et en Noël, nous allons sélectionner 1, 2 ou 3 gagnants en fonction du nombre de personnes qui commentent, partagent ou souscrivent à notre page. Et certains parmi vous, peut-être toi, sera gagnant d'un de ces lots. Donc déjà, merci une fois de plus de nous avoir rejoints pour cette vidéo. Et je vous revois la prochaine fois pour une nouvelle édition du Bami Power Show. Bye bye, take care. Boom.